Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo Happy Mail. J'ai reçu, je suis trop contente, j'ai reçu de ma copine Muriel de la chaîne Muriel Nail Art et Coloriage. Le lien de sa chaîne est sous ma vidéo dans la barre d'infos. J'ai reçu un paquet! Et c'est suite à la vidéo que j'avais fait ma liste d'envie Amazon. Elle en a profité pour me commander trois super livres Disney. Donc, le premier qui était dans ma liste d'envie, bon, c'est pas un livre, hein, mais c'est des marque-pages Babies Disney, 50 marque-pages à colorier. Et il est trop beau. C'est quand même assez épais. C'est Hachette, hein? Oui, Hachette Heroes. Donc, le papier est super. C'est pratiquement un carton, en fait. Je vous le montre. Écoutez. C'est vraiment épais, là. Ça va. Oh, regardez, c'est cute. Regardez, c'est cute! Les aristochats, c'est trop cute! Là, ici, on a Bambi. Ils sont trop cute. Ça, c'est idéal quand on veut colorier, mais pas colorier quelque chose qui va prendre une éternité. Je vous en montre plusieurs rapidement. Ah, celui-là, je l'adore aussi. Ils sont trop cute! Trop beau avec les cœurs en fond. C'est tellement beau! Ici, ça vient de Nemo, les petites tortues. Je suis en admiration devant ces marque-pages-là. Je vous les montre rapidement. Ils sont tellement beaux. Je crois que je vais les scanner avant de les colorier. Comme ça, je vais pouvoir les refaire à volonté. Et je vais pouvoir aussi en offrir. J'offrirai pas les originales. Non. Ceux-là, ils restent à moi. Mais je pourrais les scanner, les colorier et en offrir. Trop cute! Vraiment super beau. Je vous les montre rapidement. Donc, j'en profite pour dire... Oups, je suis en train de sortir de l'image, ça va bien. J'en profite pour dire merci à ma copine Muriel. Elle est trop gentille, trop généreuse avec moi. Elle sait que j'ai pas accès au Disney. Et... Wow! Je vous les montre rapidement. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Je ferai pas de vidéo présentation spécialement là-dessus. Je crois que sûrement que d'autres les ont déjà fait. Ensuite, un que je rêvais d'avoir... C'est le Roi Lion, les grands classiques. Super beau, je vais reculer. Ah! Vous allez voir celui-là, comment faire. C'est pas grave. Donc celui-là, c'est comme celui de Blanche-Neige qu'elle m'avait offert l'autre jour, mais c'est le Roi Lion. Il est magnifique. Donc, ça se présente comme ceci. Et de l'autre côté, oui, on a une image du film. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais vous avouer, j'ai jamais vu le Roi Lion au complet. Pas parce que j'aimais pas ça. En fait, je l'avais loué. Et je suis un grand bébé, moi. Et je l'avais loué dans un club vidéo. Et au moment où le papa du petit personnage meurt, je me suis mis à broyer, puis j'ai enlevé la cassette. Donc, je l'ai pas écouté jusqu'à la fin. Je trouvais ça trop triste. Oh, celui-là, c'est trop cute! Regardez, j'ai tellement hâte de le colorier, lui. Et ici, on voit l'image ici. C'est trop beau. Oups, pardon. Donc, je vous le montre rapidement, celui-là aussi. J'adore le fait d'avoir... Oh, celui-là, je l'ai vu colorier. Je l'ai vu colorier par quelqu'un. Je me souviens plus. Je me souviens plus qui l'avait colorié, mais elle l'avait colorié avec les mêmes teintes de rouge et c'était une pure merveille. Vraiment super beau. Je ne sais plus ce que je disais. Donc. Oui, j'aime le fait qu'on a de l'autre côté des images du film. C'est génial. Je vous le montre très rapidement. Aussi parce que Muriel, elle les a pas vus, donc elle va pouvoir voir, se faire une idée si le livre lui plaît. Donc,
J'aime l'idée d'essayer de reproduire une image qu'on voit là. J'aime les couleurs aussi qu'ils ont pris. Trop, trop beau. Donc, elle m'en a offert 3. Et vraiment, je la remercie. Ça s'ajoute à au peu de livres Disney que j'ai. Donc, je suis trop, trop contente. C'est tellement beau. Peut-être que j'aurais dû l'écouter jusqu'à la fin du film, en fait. Mais je suis comme ça, hein. Je suis un grand bébé. Quand j'écoute un film et que c'est trop triste pour moi, je l'écoute pas jusqu'à la fin. Comme, par exemple, le film Draco, la légende du dernier dragon. Ça, c'est un de mes films préférés. À la fin, bien sûr, le dragon meurt. J'ai broyé toutes les larmes de mon corps quand j'ai vu ça, moi qui adore les dragons. Donc, maintenant, quand j'ai envie de réécouter le film, je le réécoute, mais je l'arrête avant la fin. Comme ça, il ne meurt pas. Je suis folle, je le sais. Et ensuite, le dernier qu'elle m'a offert, c'est Love Story. Et il est trop beau. Celui-là, c'est dans le genre tablette. Et encore, la qualité du papier est super. Ici, on a plusieurs motifs dans les personnages. C'est pas ce que je préfère, mais comme je vous ai dit, maintenant, ça me dérange absolument plus parce que je les colorie comme s'il n'y avait aucun motif dedans. Donc, avant, ça m'embêtait énormément, mais plus maintenant parce que j'ignore carrément les motifs. C'est trop, trop cute. Les Aristochats. Ça aussi, c'est un film que j'ai jamais vu. Pourquoi on passe celui-là, je l'ai vu. La Belle et la Bête, c'est mon préféré. Je l'ai vu, je l'adore. Ça, c'est Réponse, je crois. Oui. Celui-là, dites-moi en commentaire, c'est dans quel film, ça? Les petites fourmis, parce que je sais pas si je l'ai vu. J'ai vu un film sur les fourmis, mais je suis pas certaine que c'était celui-là. Les bagnoles. Ça a l'air d'être Cendrillon. Donc. Je m'excuse si vous avez déjà vu les livres au complet, mais. C'est juste que je veux vraiment les montrer à Muriel. Elle les a pas vues. Et elle a eu tellement de gentillesse de me les offrir que je veux, en fait, qu'elle puisse les voir à l'intérieur pour qu'elle voit quelle merveille elle m'a offert. Celui-là, il y en a combien dedans? 60. Il y a 60 colors. Oh, Ratatouille. Ça, je l'ai vu. 60 coloriages à colorier, évidemment. J'ai bien aimé ce film-là aussi. Ça, je le connais pas. Je l'ai jamais vu. C'est un dalmatien, ça, je le connais. Alors, ça, c'est Peter Pan, je crois. Mickey et Minnie. Ça, c'est trop beau. Mulan. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être Bambi, je sais pas. J'adore les petits oiseaux qu'ils nous font dans les Disney. Je trouve qu'ils sont tout mignons. Encore les fourmis. Et voilà. C'était les 60 coloriages à dessiner, à colorier. Ça, c'était Love Story tome 1. Ici, c'était le roi lion et aussi les marque-pages qui sont magnifiques. Tout est magnifique. Donc, Muriel, je te dirai jamais
mais assez. Merci. Ça me fait tellement plaisir. Tu peux même pas savoir à quel point ça me fait plaisir, que ça me touche, que tu m'aies envoyé encore plus de livres, parce que déjà tu m'en avais envoyé beaucoup. Tu avais été très généreuse. Donc, je te remercie, ma choupinette. C'est apprécié. C'est vraiment, j'apprécie énormément. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.